Poudre dans le ciel. Oui, messieurs, on est fiers de vous, c'est beau ce que vous faites. Claude, le leader, Gérard, l'équipier droit, et Jacques, l'équipier gauche. Là, il dessine un 8, lui du ciel, c'est un 8 qui est passé devant nous. Vous allez voir ensuite dans quelques instants la patrouille Reva qui a été élue meilleure patrouille compétitive privée du monde. C'est également trois avions qui ont volé effectivement ensuite beaucoup plus proches les uns des autres. Vous verrez pourquoi. Ce sont des pilotes d'exception. C'est leur quotidien de voler aussi proche. C'est une patrouille acrobatique vraiment les plus rares et les plus prestigieuses du monde. Et quand on voit déjà ce que font ces trois tontons flingueurs, c'est vraiment génial. Regardez, repasse devant vous et saluez-les s'il vous plaît. Voilà, vraiment ils le méritent. Ils sont entraînés hier et aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs. Et tout ça c'est du local, mesdames et messieurs, c'est à 18 km de chez vous, à l'Aigle. Vous trouverez un superbe terrain, un aéroclub, affilié à la Fédération Française d'Aéronautique. Vous pourrez apprendre à piloter, faire des baptêmes de l'air. Il y a deux avions, un Cessna 152, un TB200, et deux instructeurs en permanence à votre disposition pour apprendre à piloter. Regardez, c'est Jacques, c'est Claude, pardon, le leader qui revient vers vous pour faire une petite démonstration, un petit salut à sa façon. Regardez la maniabilité de cet avion-là, c'est un ULM. Voilà. C'est pas très puissant, on apprend à piloter facilement avec ça, c'est pas cher l'aéronautique. Voilà, apprenez là-bas, poussez les portes d'un aéroclub, vous serez accueilli par des bénévoles passionnés qui vous feront découvrir vraiment ce que c'est que le plaisir de pouvoir tutoyer les nuages. On n'écoute presque rien dans le ciel. Vous entendez? Voilà. C'est ça la réalité également. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui font du bruit, mais le bruit chez nous se transforme en musique. Écoutez-le. Il tourne presque sur lui-même. Bravo Claude.